Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une fois de plus, je ne suis toujours pas chez moi. Je suis toujours au même endroit. Et aujourd'hui, je suis là pour vous tourner une vidéo unboxing. Donc, je sais pas trop par quoi commencer parce que je suis très, très excitée. On va commencer d'abord par les articles. Je dois pas me salir. Donc, j'ai reçu un premier de chez Emma et Chloé. Donc, la boîte, elle se présente comme ça. Et ça vient emballé là-dedans. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est parce que je vous avoue que j'ai pas voulu ouvrir avant. Pourtant, je suis curieuse de base. Donc on a un petit livre tout d'abord avec plusieurs photos de tous les produits qu'elles ont. En plus c'est du doré et j'ai pas l'habitude de prendre du doré. Là j'avais demandé de l'argenté quand même, la meuf qui veut pas sortir de sa zone de confort. Et voyons ce qu'il y a dedans. Donc là vous avez un petit papier avec les conseils d'entretien pour préserver son éclat, éviter le contact avec l'eau, les parfums et les cosmétiques. Pour les conserver le plus longtemps possible, rangez-les dans son pochon quand vous ne les portez pas. Donc à l'intérieur ça vient dans un autre petit pochon, ce qui est super cool parce que du coup ça m'en fait deux. Et si je veux garder d'autres trucs là-dedans, je peux. Et vu que je déménage, c'est très utile. Et voyons ce que c'est. J'avais demandé de l'argenté. Mais c'est vrai que du doré ça m'aurait pas dérangé. Donc c'est un petit bracelet en argent comme ça. Je trouve les chaînes comme ça trop trop belles. C'est vrai que j'en ai aucune, j'en avais une qui s'était cassée. J'espère qu'au niveau de la taille ça va m'aller. C'est vrai qu'elle me va un peu grande, mais ça m'étonne pas du tout parce que mes poignets ils sont super fins. Je pense même que je peux la sortir comme ça. Oui, je peux la sortir comme ça. Mes poignets sont trop fins. Je ne trouve jamais 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 de bracelet à ma taille à part les Pandora. Mais il est super super joli. Je vais voir si je peux le trafiquer pour le rendre plus court. Je pense que oui parce que j'ai l'habitude de le faire. C'est une box qui coûte 25 €. Très très contente. Merci beaucoup Emma et Chloé de m'avoir envoyé ce petit produit. Et voilà, je vais le garder. J'espère que ça va pas me déranger. Mais je vais essayer de le trafiquer pour qu'il soit plus court. Parce que là, vous voyez jusqu'où ça m'arrive. Likez la vidéo déjà pendant que je galère à fermer cette boîte. Et abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Parce que je vais revenir avec des vidéos très intéressantes entre mon déménagement et le Brésil. Ça va changer de d'habitude. Ensuite, nous avons ceci. Donc, c'est un calendrier de chez Lalalab. Donc, pour tout ce qui est cadeau de cadre, tirage photo, calendrier, c'est toujours Lalalab que j'ai utilisé. Je suis très contente de pouvoir faire des collabs avec eux depuis que j'ai YouTube. C'est un petit calendrier de cette taille. Donc, c'est pas la taille la plus grande, c'est la taille du milieu, voire la plus petite. Donc, à savoir, le calendrier coûte 18,90 €. Donc, il se présente comme ça. Donc, à la première page, vous pouvez mettre les photos que vous voulez. Donc moi vu que j'habite avec ma soeur, j'ai préféré prendre un calendrier pour mettre au salon ou à la cuisine. Parce que il va falloir mettre des règles dans la maison si tu vois cette vidéo. Tout ce qui est nettoyage, quand on va s'organiser pour aller aux courses. Parce que moi et ma soeur on n'a jamais du temps pour nous, on est tout le temps à faire des trucs. Donc niveau organisation ça va être cool. Donc sur la première photo j'ai mis une photo de moi et ma soeur. Moi et ma soeur, moi, ma soeur et mon père. Ah non, là c'est moi, ma soeur et ma mère. Et moi et ma soeur à nouveau. Donc c'est que des photos qui datent, on était au lycée. Donc en haut vous pouvez mettre une photo. Et ici vous avez donc les mois. Et en haut vous avez la photo. Vu que ça va être quelque chose qui va être soit dans le salon, soit dans la cuisine, j'ai préféré un truc plutôt minimaliste. Je voulais pas mettre des photos soit de ma soeur, soit de moi, parce que c'est un truc pour les deux. Donc c'est un livre brésilien. En gros il met des mots et il met une définition selon lui. Donc par exemple là c'est le mot sourire et il met une définition par rapport à ce mot d'une façon poétique. Donc j'ai mis ça à tous les mois. Et le mois de l'anniversaire à ma soeur, j'ai mis la signification de son signe astrologique. Et pour le mien, j'ai fait pareil. Donc je trouve ça ultra cool que ce soit comme idée de cadeau ou même pour acheter pour soi-même parce que l'organisation c'est très important. Donc merci une fois de plus Lalalab qu'on puisse faire une collaboration ensemble. Je suis très contente et je suis ravie d'avoir reçu le calendrier et la livraison a été super vite. Ensuite, j'ai reçu de la marque Joyce 6 rouges à lèvres. Donc je suis trop 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 contente, moi qui avais besoin de rouge à lèvres. Donc le packaging se présente comme ça. C'est super super mignon. Et on va voir dedans. Du coup je vais essayer les couleurs et vous les swatcher. Donc c'est cool parce que c'est du mat. Rouge à lèvres mat repulpant. On adore, moi qui ai des lèvres fines malheureusement. Donc le premier c'est la couleur Blow Leech. Désolée pour le bruit, mon copain il fait du sport juste en bas. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo, on a fait une salle de sport dans son garage. Donc je vous mets le lien juste là et dans la barre description si vous voulez voir. Pour le Blow Leech, la couleur elle se présente comme ça. Donc je trouve que c'est super super joli. Ensuite nous avons le Blow Melon qui est une couleur un peu plus nude que j'aime bien d'ailleurs. Cette couleur je vais l'aimer, regardez elle est trop belle. J'espère qu'il y aura un rouge qui pète parce que je n'ai plus de rouge
Dieu a entendu mes prières. C'est du rouge, on dirait du rose, mais c'est du rouge. Donc c'est le Blow Strawberry. Et ils ont l'air vraiment mat. Hein. Ensuite, nous avons... Oh, c'est trop beau. J'allais dire, nous avons un joli prune. Et la couleur s'appelle Blow Prune. Les couleurs, elles sont toutes belles. Je vois déjà les gens là. Genre ma sœur qui va venir me piquer des rouges à lèvres en mode... Je peux l'utiliser? Et après, elle va me dire... Le prends en soirée, je te le rends après. Et après, je vais plus jamais le voir, ce rouge à lèvres. Si vous avez des sœurs, je pense que vous voyez de quoi je parle. Il est super beau. Vous voyez la youtubeuse qui ne sait pas du tout appliquer. La grosse radine, les grosses youtubeuses, là, Enjoy Phoenix et tout, quand elles faisaient des swatchs, elles mettaient une trace énorme, genre ça, nanana, c'est tout. Moi, je suis là en mode non, 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 j'économise. Ensuite, nous avons le Blow Peach qui ressemble un peu au premier, ce qui est bien parce que deux teintes pareilles, ça veut dire que ça ne me dérangera pas de le donner à ma sœur. Ah, je préfère celui-là, vous voyez. Celui-là, il est plus couleur de peau. Le Blow Fig, Fig, ça va être foncé, ouais. C'est un peu en rose celui-là. Ils se ressemblent vachement les deux. Je sais pas si vous trouvez. Donc un c'est le prune et l'autre le fig. Donc le fig c'est le dernier. Mais je trouve qu'ils se ressemblent quand même pas mal. Elle veut pas faire le focus, je m'en excuse. Et le packaging est super super beau. Et ils sont quand même assez gros. Donc le prix du coffret, si vous voulez le prendre en coffret, est de 98€. Mais avec le code BLOW40, vous avez, devinez, combien de pourcents de réduction? 40% de réduction sur n'importe quel produit chez Joyce. Donc je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Donc tous les liens seront juste en dessous pour tous les produits que ce soit. Comme ça, tout le monde est content. Et voilà. Ok, maintenant on va passer à des robes de soirée que j'ai reçues. Donc je vais faire une vidéo avec toutes mes robes de soirée, des idées pour Nouvel An et tout ça. J'ai déjà ça en tête, mais il faut que je le fasse vite parce que ça s'approche très très vite et je ne me rends pas compte. Donc j'ai reçu deux robes de la marque Owl Bridal. Attendez, parce que je veux pas mal dire le nom de la marque. Owl Bridal. Owl Bridal. Ok. Donc à savoir, je n'ai pas pu choisir les robes, mais ça ne m'a pas dérangé. Je me suis dit, c'est l'occasion. La marque, elles ont vu mes vidéos, elles ont dit, on va te trouver ce qu'il te faut selon ta morphologie. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc j'ai pas du tout regardé le paquet parce que je voulais pas du tout savoir. Donc c'est là-dedans chez mon copain depuis, ça fait un mois déjà que j'ai reçu les robes, je vais pas vous mentir. Donc je découvre en même temps que vous la première... C'est du violet. J'arrive pas du tout à m'imaginer avec du violet. Je pense que mon copain il a dû fouiller parce que c'est un peu ouvert. Mais ok, la première robe c'est du violet. Ok. Et la deuxième robe, c'est du noir. Du noir, on part sur un truc sûr. Mais le violet, je sais pas trop quoi en penser. Voilà, nous avons les deux robes. Et c'est parti, hein. Oh là là, j'ai peur. Ok, donc je sais pas si je commence par la robe noire ou par la robe violette. Mais une robe violette, j'ai jamais essayé ça de ma vie. Donc on va voir comment elle se présente. Je vous mettrai... D'accord. Je pense que ça s'annonce plus compliqué que prévu et que je pourrais pas le faire toute seule. Donc c'est un bustier, elle a l'air très belle quand même, hein. Même c'est du violet. Je vais ressembler à trouver une princesse de Disney qui porte du violet. Elle a l'air très jolie, le violet il est beau. Donc elle se présente comme ça devant, donc elle est très très longue. Et derrière, j'essaie de comprendre le principe. Et je pense qu'en fait ça va à l'intérieur. Il va falloir tresser tout le truc. Je vais commencer par la noire parce que ça, je vais avoir besoin d'aide et pour l'instant, j'ai pas envie de couper mon mec dans sa séance. La noire, on essaye de comprendre. C'est que des trucs que j'ai pas l'habitude, c'est drôle. Hein. C'est un décolleté assez bizarre et elle est noire longue. Donc je vais essayer et c'est parti. Donc voilà pour la première robe. Donc au niveau du devant, elle est comme ça. Ce qui est très bizarre parce que je n'ai jamais, jamais, jamais mis de robe de cette forme. Et j'ai pas l'habitude, donc je sais pas quoi en penser. Mais en tout cas, au niveau des dimensions, elle me va super bien encore. Mais voilà, là elle me va un peu grand quand même. Mais c'est parce que j'ai pas de soutif. Et quand j'ai envoyé mes dimensions, j'avais un soutien-gorge. Donc c'est totalement logique. Vous voyez, elle tombe vraiment très bien au niveau du corps. Là, même si j'ai pas de soutif, il n'y a rien qui dépasse. C'est bien caché. Donc vous avez ce tissu, plus un deuxième tissu en dessus. Donc pas de problème de transparence. Franchement, elle est bien, mais c'est juste que je n'ai pas du tout l'habitude de cette forme-là. C'est le seul souci, mais la robe, elle est très belle en soi. Donc c'est une robe que vous pouvez porter au Nouvel An. Je pense qu'au Nouvel An, on peut la porter selon où on le passe. Et même à Noël pour un repas. Oh, je pourrais la porter à Noël.
Même c'est triste du noir à Noël. Hein. Et du coup, on va passer à la deuxième robe qui est la robe violette. Donc, voilà pour la deuxième robe. Donc, c'est une robe bustier. Déjà, le modèle, je préfère beaucoup, beaucoup plus. Je préfère beaucoup les robes comme ça. Ce genre de décolleté que l'autre. Et derrière, elle est comme ça. Donc là, il y a un problème. Je comprends pas pourquoi il y a un trou. Donc, comme je vous disais, je sais pas pourquoi il y a un trou là. Ce qui est un peu dérangeant parce qu'on peut voir ma peau à travers, je vais pas vous mentir. Après, la qualité de la robe, elle est vraiment top. Donc le trou, je sais pas, c'est parce que mon copain il a mal fermé les... Parce que vous voyez comment c'est derrière. Vous voyez derrière, il faut vraiment faire ça partout. Donc je sais pas si à ce niveau là il a pas bien fait, je sais pas si c'est passé. Mais une fois de plus, voilà, la robe il y a une doublure. Donc ce qui est top, parce que c'est pas du tout transparent. Et voilà, voilà, je la trouve super super belle, donc je vais me changer et je reviens avec vous. Mais c'est vrai que je préfère celle-là, même qu'elle soit violette. Du coup, je sais pas du tout quand je vais l'utiliser, mais je préfère quand même celle-là à l'autre. Par contre, pour l'enlever, cette robe, c'est tout un délire. C'est vrai que ce mois-ci, il n'y a pas eu beaucoup de produits parce que tout simplement, mais comme vous avez vu, j'ai pas été trop dispo sur YouTube vu que j'ai voulu faire une pause. Et du coup, j'ai pas voulu accepter trop de collaborations parce que je trouvais que ça se faisait pas, sachant que j'étais pas sur YouTube, d'accepter plein de collabs. Le but, c'était de m'éloigner de YouTube pour mettre de l'ordre dans ma vie, donc je voyais pas l'intérêt. Donc c'est quelques produits que j'avais reçus un peu avant. Et un autre produit qui doit arriver, mais je vous le montrerai en même temps que ma routine de jour ou ma routine de nuit, parce que c'est un truc de fou que je suis trop contente d'avoir reçu. Écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je fais plein de bisous, n'oubliez pas de liker et de s'abonner. Bisous, ciao.